Hello tout le monde, c'est Lélé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la vidéo FAQ. Donc en fait j'ai marqué toutes les questions ici. Et en fait ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est qu'à chaque fois je vais mettre une petite capture des questions en fait. Comme ça voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc ton matériel de Eurox. Donc mon matériel, j'ai quoi? J'ai un Strike 3, il me semble, de Mad Catz, en rouge. Donc je vous montrerai, je prendrai en vidéo ce qu'il y aura. J'ai une souris Rat 5 noire. J'ai deux écrans, donc j'ai un Acer, mais c'est quoi la référence? K24HL. J'ai un deuxième écran essentiel B, donc c'est un truc de boulanger, mais je ne sais pas. Et après, dans mon PC, comme je ne sais pas si je l'avais dit ou je le marque à propos, j'ai 8 Go de RAM, j'ai une carte graphique GTX 650, j'ai un processeur Intel Core, non, je ne sais plus. C'est un quad-core, il me semble, Q9300, avec 2,5 GHz, il me semble. Donc il y a 4 cœurs en fait. Et j'ai un tapis aussi, le Mad Catz. Donc c'est le plus grand, il me semble. Bon, de toute façon, vous le verrez en truc. Et puis j'ai un casque, le Freak 5, en noir, de Mad Catz aussi. Donc voilà. Après j'ai une caméra aussi, j'ai une webcam Logitech de base. Et voilà, c'est tout. De toute façon, vous aurez vu toutes les vidéos à la place de ma tronche, quoi. Donc voilà. Après, as-tu un fandom? Genre qui aime beaucoup une chose de maths. Alors, j'en ai pas spécialement. Une fandom, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Non, j'en ai pas. Parce qu'en fait, mon frère, il est brownie, donc ça veut dire que lui, sa fandom, c'est être brownie. Mais moi, j'en ai plus. Parce qu'avant, j'aimais un groupe. Sauf que bah, c'est devenu de la grosse merde, donc j'aime plus. Qu'est-ce que je pourrais aimer? Non, en fait, j'en ai pas vraiment. En fait, j'aime tout, un peu comme tout le monde. Il y aura peut-être... ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Harry, à quand une coopération avec d'autres youtubeurs de Fonsommet 9305? Donc, à quand une coopération? Bah, en fait, il faudrait déjà que je côtoie d'autres youtubeurs. Donc, les seuls que je côtoie, c'est Alia Arc, RetroAdo, Mimicraft et Matt. Et en fait, ils sont pas comme moi à mettre des vidéos, enfin, mettre des vidéos spéciales, enfin. Genre faire un programme en fait. Eux c'est pas ça, du coup bah je sais que j'en fais beaucoup avec Matt, mais c'est à part Matt. Donc à part Matt, je sais pas, faut que les youtubeurs viennent me voir, enfin les ceux qui regardent mes vidéos et qui veulent faire ma peinture avec moi ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc j'ai fait une page Facebook, j'ai Twitter. J'ai YouTube, vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai Google Plus, il me semble. Donc voilà. Donc après, des projets pour la suite de Herox. Donc j'ai pas réellement de projet pour la suite. Si ce n'est que, je sais pas si vous voyez, pendant les vacances, j'ai essayé de faire des petites vidéos IRL avec mon frère, etc. Donc voilà. C'est tout. J'essaye un peu plus de faire des vidéos un peu tag et tout, parce que ça marche en fait. Du coup c'est tout, sinon je vais continuer le gaming. J'aurais peut-être aimé aller un peu plus dans l'horreur, mais on va dire que je suis un petit peu une trouillarde par rapport à certains jeux. En fait, tout ce qui est jeu où on poursuit, je déteste ça. C'est pour ça que vous voyez pas du tout de vidéos horreur où on poursuit en fait, même si j'adore certains jeux. Après,
Quel avenir professionnel de The Nakatashi? Quel avenir professionnel? Alors, moi j'aimerais percer dans le monde de l'informatique, tout ce qui est graphisme, donc que ce soit montage Photoshop, dessin, Illustrator, montage vidéo de Premiere Pro, ça j'adore ça en fait. On va dire que je fais un peu les vidéos YouTube parce que j'adore faire le montage, vraiment. Ça me plaît énormément et puis faire les miniatures et tout ça, ça me plaît aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui est graphisme sur l'ordinateur, j'adore ça. Donc voilà. Après, quand as-tu commencé Minecraft et pourquoi de maths? Donc, petite anecdote, voilà, je tenais à le préciser. Donc, quand est-ce que j'ai commencé Minecraft? Donc, je me souviens pas vraiment. Bah si, c'était septembre-octobre 2012 que j'ai commencé Minecraft. Alors, à la base, j'avais pris le PC de mes parents en fait, et j'ai voulu voir si je pouvais télécharger Minecraft parce qu'en fait, j'étais sortie avec quelqu'un qui jouait à Minecraft et je voulais jouer à Minecraft avec lui à la base. Sauf que il m'a dit non, c'est payant, machin. Du coup, bah, j'ai pas pu jouer avec lui en fait. Sauf qu'après, on a cassé, donc voilà. Et du coup, bah voilà quoi, j'ai voulu tester. J'ai voulu tester. J'ai regardé, j'ai vu qu'il était payant. Je fais, est-ce qu'il n'y a pas un crack ou un truc de genre? Du coup, j'ai regardé et puis oui, il y avait des cracks de Minecraft. Du coup, j'ai testé. Au début, j'ai fait un truc solo parce qu'en fait, j'avais un projet en art plastique et le prof nous a dit qu'on pouvait faire un croquis sur Minecraft d'une maison en fait. C'était un peu notre projet, etc. Et du coup, bah voilà en fait, j'ai fait une maison en bois. J'avais rien compris à Minecraft, mais j'ai fait une maison en bois et puis après. Et puis après, quand j'ai fait mon truc d'art plastique, j'ai voulu essayer de trouver des serveurs. Et puis je suis tombée sur un premier serveur qui s'appelle Empyrea. Donc c'était Hérox aussi qui le. Comment dire? Qui le gérait en fait. Et à partir de là, j'ai rencontré Hérox et je suis devenue modérateur. Et après, je suis devenue administratrice sur hier soir. Donc voilà. Donc après, quels sont tes genres de jeux préférés? De compte Tristan. Mes genres de jeux préférés, alors j'ai pas vraiment le genre de jeu préféré. Je sais que tout ce qui est les jeux choix conséquences, j'aime vraiment bien. Parce que je sais que j'avais fait la première saison de The Walking Dead que je n'ai pas fait sur ma chaîne. Et que là j'ai fait Life is Strange. Donc là, vous voyez cette vidéo, on est quand? On est le 7 août. J'ai fini Life is Strange, enfin jusqu'à l'épisode 4. Faut juste que j'attende de fin du mois pour faire l'épisode 5. Donc là, je crois que c'est quand? C'est octobre-novembre que vous allez voir l'épisode 4, donc vous avez le temps. Et ouais, du coup, j'aime bien les choix conséquences. Après, j'aime bien les jeux un petit peu aventure, donc tout ce qui est Tomb Raider, Uncharted, etc. Ça fait un peu archéologue, j'aime bien. Et j'aime bien aussi les jeux du genre GTA où on peut faire tout ce qu'on a envie dans le jeu en fait. Donc c'est vraiment ce genre de jeu que j'aime bien, Far Cry 4 aussi, des trucs comme ça en fait. Donc voilà. Et après j'aime bien aussi les trucs d'horreur, sauf que j'ai un petit peu peur sur certains jeux de les faire en fait. Voilà. Quel est ton loisir préféré de Herox? Alors, mon loisir préféré déjà, numéro 1, c'est d'être sur mon ordi et de jouer à Minecraft surtout. De jouer, oui, sur l'ordinateur. Mais mon deuxième loisir préféré, c'est l'appareil. Enfin, la photographie. J'adore prendre des photos. Donc voilà, là, comme vous devez sûrement le voir, l'appareil photo avec quoi je filme, et eh bien c'est un réflexe que mes parents ont et que j'utilise le plus souvent moi. Donc voilà. Donc, c'est tout. Donc après, quelle raison t'a donné envie de te lancer sur YouTube de RafGamer04? Alors à la base, ma toute première vidéo, c'est une vidéo sur Empyrea, il me semble. C'était ma maison sur Empyrea, enfin c'était ma ville sur Empyrea.
Et je sais pas, j'avais envie de montrer ma ville. Je sais même pas d'où c'est venu en fait. Je pense que je regardais souvent des youtubeurs d'horreur et puis vous voyez aussi que Minecraft ça marchait hyper bien. Du coup j'ai voulu faire une petite vidéo. En fait, à la base c'était juste pour montrer aux gens d'Empyria ma ville, un petit truc, sauf que je buguais à mort en fait, du coup c'était la merde. Et après j'ai voulu me lancer dans l'horreur vu que je regardais beaucoup de youtubeurs d'horreur et j'ai voulu tester Slender. Donc au début j'ai testé toute seule, et après j'ai testé avec une amie, donc Paulette 26 comme vous enfin c'est en fait c'est Lara, celle que vous auriez vue dans les qui de nous quatre. Et du coup voilà quoi en fait, à la base je voulais me lancer là-dedans, sauf que en fait mon PC il était énormément pourri, mais vraiment. Et du coup en fait j'ai un peu arrêté les vidéos on va dire. Enfin en fait j'ai fait un peu des vidéos de merde. J'ai fait juste Agrarian Skies. Franchement on s'est bien éclaté. Du coup voilà, c'était juste parce que j'avais envie en fait. J'ai commencé à faire aussi des petites vidéos sur les mini-jeux. Je voulais vraiment me lancer dans YouTube, mais en fait c'est juste pour partager en fait ce que je fais, ce que je joue. Parce que je sais que j'aime bien pouvoir répondre aux commentaires, etc. Pouvoir que des gens me suivent et voient ce que je fais. Bon, à la base, c'était pas vraiment de très bonne qualité, mais il n'y a pas longtemps que j'ai recommencé les vidéos régulièrement. Enfin, pas longtemps. Il y a longtemps quand même maintenant, mais je crois que c'est début d'année. J'ai recommencé à faire des vidéos, mais avec un programme, etc. Vraiment parce que j'ai envie de partager ça en fait. J'ai envie de partager le jeu. Donc voilà, c'est vraiment un but comme ça en fait. C'est vraiment, j'ai envie de montrer. Donc voilà. Qu'aimes-tu dans les jeux vidéo de maths? Qu'aimes-tu dans les jeux vidéo? Bah, on va dire que j'aime bien tout ce qui est qu'on puisse partager avec une communauté, genre Minecraft, c'est vraiment. D'accord, on peut très bien avoir une communauté pourrie, mais pour le moment sur FireSword, c'est vraiment une belle communauté. D'ailleurs, c'est hyper cool. Et du coup, voilà, après, dans les autres jeux, c'est vraiment peut-être l'histoire qui va me faire accrocher. J'aime bien quand c'est l'histoire ou bien des. T'as des objectifs, des genres de mini-quêtes, enfin, je sais pas, t'as vraiment un objectif dans le jeu, puis ça te rentre dedans, t'as l'impression de te mettre à la place du personnage. C'est ça que j'aime bien aussi dans les jeux vidéo, donc voilà. Donc, onzième question. Que se passera-t-il pour tes 100 abonnés de The Nakatashi? Et ben en fait, je n'ai pas encore réfléchi parce que c'est vrai qu'on est déjà 72, mais après. On est 72, mais il y en a plein qui regardent pas mes vidéos en fait. Donc, du coup, que se passera-t-il pour tes 100 abonnés? Je sais pas, sûrement que je demanderai peut-être des défis à faire en vidéo, je ne sais pas. Sûrement ce genre de choses. Donc voilà. Qu'est-ce que t'aimes manger à 4 heures de Mustang 80? Donc, Mustang, je sais que 4 heures c'est fatal pour toi. Donc, qu'est-ce que j'aime manger? On va dire que j'aime bien manger tout ce qui est crêpes Huawei. Voilà, la pub pour crêpes Huawei. Non, mais j'aime bien les crêpes Huawei. Après, j'aime bien tout ce qui est à base de chocolat. Donc, c'est vrai que si je devais dire vraiment un aliment, ce serait les crêpes Huawei. Voilà. As-tu des consoles? Si oui, lesquelles? De Herox. Donc, on va dire que les consoles, il y en a plein chez moi, vraiment. Et du coup, si. Alors, toutes les consoles. Alors, il y a la Xbox 360 à mon frère. Il a la PS Vita. Il a la DS. La 3DS. Il a la New 3DS. Moi, j'ai la DSi. DS Lite, je sais plus là. Première DS quoi. Ma mère elle a la première DS aussi. Et après dans le salon nous avons la Wii et la PlayStation 3. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais, c'est tout.
Voilà. Quels sont tes jeux préférés de maths? Alors mes jeux préférés, donc déjà il y a Minecraft, ça c'est clair. Après j'adore Tomb Raider. J'aime bien GTA V aussi, parce que je l'ai sur PS3 en fait. Et j'aime bien Life is Strange. Donc voilà. Quel est ton objectif de nombre abonné de RafGamer04? Quel est mon objectif de nombre abonné? Déjà 100 ce serait déjà bien, mais en fait j'ai pas vraiment d'objectif de nombre d'abonnés. J'aimerais bien que tous les abonnés que j'ai soient actifs en fait. Donc franchement ce serait genre 100, 150, un truc du genre. Ce serait déjà vraiment bien. Et qu'ils soient actifs ce serait encore mieux. Laquelle de tes séries as-tu préféré faire de Herox? Alors vraiment sans hésitation, si je devais en dire qu'une, ce serait Life is Strange. Alors Life is Strange, c'est le meilleur jeu du monde, réellement. Pour moi, c'est le meilleur jeu. Après, si je devais en dire une deuxième, ce serait Agrarian Sky saison 1 parce qu'on s'est tellement éclaté avec Herox, Mustang, Zef et Faune. On s'est mais éclaté, mais on était tout le temps en train de dire des conneries, réellement. Et du coup, c'était énorme. Après, bientôt des lives de The Nakatashi. En fait, il faudrait que j'ai la connexion pour faire des lives, vraiment. Et pour le moment, je n'ai pas du tout la connexion pour faire des lives. Vraiment pas. Après, je sais pas si vraiment mon nombre d'abonnés augmente, vraiment, et qu'on me demande des lives, je pourrais en faire. Je trouverais sûrement une solution pour en faire. Mais pour le moment, j'ai pas du tout la connexion et je sais que je peux en faire. J'ai déjà testé avec XSplit, sauf que bah, en fait la qualité est pas très très bonne et puis il y a un énorme décalage en fait. Après, combien de temps mets-tu pour mettre une vidéo? Imaginez tourner, monter, publier de The Nakatashi en plein de fois. Donc franchement, alors imaginez beaucoup. Je crois trop de temps pour imaginer quelle vidéo je devrais faire en fait. Parce que après imaginer c'est pas aussi difficile, faut juste que je trouve un jeu en fait, tout simplement. Après c'est pas aussi difficile que ça. Tourner par contre je fais entre 20 minutes une demi-heure la vidéo, du coup 20 minutes une demi-heure la vidéo. Monter ça dépend aussi parce que il y a certaines fois où j'ai juste à mettre l'intro et la vidéo parce que la vidéo elle est nette, propre, sans montage à faire. Ou bien elle est en montage. Donc moi, pour moi j'aurais dit soit 20 minutes à la montée, soit ça peut aller à 40-45 minutes pour la montée, si vraiment, voire 1 heure pour certaines, si elle est longue et qu'il y a beaucoup de coupures à faire, etc. Ou mettre des. Là par exemple celle-ci je pense qu'elle va mettre plus de temps à mettre parce que je dois mettre tout ce qui est bah merde comment ça s'appelle? Questions et tout ce qui est vidéo quand il faut que je monte des vidéos quoi. Donc voilà, donc publier. Ah oui j'ai oublié publier par contre. Publier, alors là, ça met beaucoup de temps. Alors il me semble que pour une vidéo de 15 minutes, je mets à peu près 1 heure. Après, si c'est au-delà, 30 minutes, ça doit mettre environ 3 heures, un truc du genre. Mais en fait, ça dépend aussi de la connexion que j'ai, si elle est bien ou pas, en fait, si elle va bien, etc. Donc, on va dire que vraiment pour une vidéo, alors tourner une demi-heure plus une demi-heure, on va dire donc 1 heure, 1 heure. 3, 4, 5, on va dire 5 heures. 5 heures pour une vidéo normale, pas trop longue. Enfin, une vidéo normale en fait en général. Donc 5 heures. Alors, 19e question. Vas-tu faire des jeux sur émulateur console de Herox? Donc, j'avais pas de projet d'en faire à la base, sauf que j'ai vu que
il y avait dans l'ancien jeu que j'avais joué que esquisser des sur émulateur console. Donc ça fait un petit peu gamin parce que par exemple j'avais joué à Dogs et tout, genre je sais pas trop si vous vouliez voir ça, après ça peut être fun, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des jeux sur émulateur console que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc voilà. 20e question, si tu avais le choix entre sauver 10 chatons d'une mort certaine et 3 robes ornées de pierres précieuses, tu ferais quoi? De 100 sous. Donc vous me connaissez tellement bien, hein, moi c'est les robes ornées de diamants, de pierres précieuses, etc. Hein. Non, je rigole. Non, franchement, je m'en bats les steaks en fait de 3 robes ornées de diamants, de pierres précieuses, j'aurais tellement peur de la casser en fait. Je préfère sauver 10 chatons d'une mort certaine parce que même si je suis allergique aux chatons. Les chatons, ils vont dominer le monde. Et c'est mignon. Alors, 21e question. À quand une FAQ? Désolée, j'étais obligée de zone à Katashi. Donc, merci pour ta question très utile, vraiment. Alors, à quand une FAQ? Et ben, je sais pas trop ce qu'on est en train de faire là. Ça doit pas s'appeler une FAQ en fait. Non, mais franchement, je sais pas. Sûrement aux 300 abonnés. Non, je rigole. Je sais pas. Je ne sais pas. À part celle-ci, je ne sais pas. 22e question. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors, mes youtubeurs préférés, c'est Wiyong, Wijo, William. Ça, c'est mon youtubeur favori. Après, j'aime bien regarder tout ce qui est David Lafarge Pokémon et Mijirachi parce que même si je suis pas collectionneuse de cartes Pokémon, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Après, qu'est-ce que je regarde le plus? Qu'est-ce que je regarde le plus? Riyad. Riyad OFG que je regarde souvent. Et puis c'est tout en fait. Si j'avais vraiment des youtubeurs favoris, ce serait eux en fait. 23e question. Comptes-tu un jour faire une map PVP ou aventure avec des youtubeurs de Firesword, de Mimicraft? Donc si c'est par rapport à toi que tu veux dire ça, moi ça me dérange pas de faire une map aventure ou PVP avec toi. Vraiment. C'est juste que en fait on me l'a pas trop proposé et puis j'avais pas l'idée d'aller proposer sur les joueurs, enfin sur les youtubeurs de Firesword, mais si tu veux vraiment faire une map PVP avec moi, n'hésite pas, ou une map aventure, c'est pareil. Voilà. 24e question, l'avant-dernière question. Sans le serveur d'Irox, aurais-tu eu l'idée de créer toi-même ton propre serveur de Mimicraft encore? Franchement, non. Franchement, non. Enfin, j'ai été. Je vais sur les serveurs, c'est pour. Pas pour devoir m'occuper de serveurs. Quand je vois le boulot qu'il fait Rox, parce que je pense que même pas la moitié des gens sur le serveur savent le boulot que fait Rox. Franchement, non, j'aurais pas du tout eu l'idée de créer mon propre serveur. D'ailleurs, j'aurais galéré parce que. Tout ce qui est code, tout ce qui est. Après, il n'y a pas forcément besoin de ça, mais bon. C'est toujours mieux d'avoir un site internet, etc. Pour le moment, je suis pas du tout, mais pas du tout là-dedans. Donc, non. Et puis, la dernière question que je n'ai pas marquée, mais qui c'est la plus conne. C'est pourquoi tu te touches tout le temps les cheveux de Flavien? Et bah, écoute, je t'invite à aller voir d'autres filles sur YouTube. Et tu verras qu'ils se touchent tous les cheveux. Moi, c'est juste que ils sont tout le temps en train de faire n'importe quoi, ça m'énerve. Et du coup, j'aime bien les avoir en arrière. Après, je veux pas non plus, je veux pas faire ça. Attendez, 2 secondes. Si vous voulez, je peux faire ça, hein. Attendez. Voilà, je me touche plus les cheveux. C'est bon. Voilà. J'aurais dû rester comme ça tout le long de la vidéo, mais bref. Du coup, voilà, donc cette petite FAQ est terminée. Si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas pu les poser sur l'annonce de la FAQ, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai en commentaire en gros. Et puis en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!